Soit A un opérateur hermétique agissant sur l'espace des états est défini par A U1 est égal à A U2, donc A u 2 est égal à B U1, Thomas A U3 est égal à 2 A U3. Avec A est un réel positif. La question, la seule question, déterminer les valeurs et les vecteurs propres de l'opérateur hermétique A. La première chose on de la matrice de A. Qui représente l'opérateur hermétique A est égal. Donc, il y a U1, la deuxième colonne U2, U3. Donc, il y a la matrice, dont la base toujours U1, U2, U3. Il y a la méthode pour représenter la matrice. Donc, A, diel U1, est égal à, a diel selon U2. C'est-à-dire, euh, la première colonne, on 0 selon U1. Thomas A selon U2, Thomas A 0 l'énène, plus 1 0 U3, donc c'est 0 ici. Thomas A 0 U2, A U2 est égal à B selon U1. Donc je mets ici B, la première ligne. Thomas la suite en 0 de 0. Thomas A de U3 est égal à 2A selon U3, c'est-à-dire ici 0, 0, Thomas 2A selon U3. Et selon l'exercice, l'opérateur A est un opérateur hermétique. Donc, on un petit rappel à l'opérateur hermétique. On a de le résumé. Si un opérateur est hermétique, c'est-à-dire que, on dit deux choses, euh, deux conditions les éléments de la diagonale de la matrice sont nécessairement des réels. Et là, j'ai la matrice et diagonale, diagonale au maillot. les éléments diagonale. Or, selon l'exercice, on a déjà A est un réel, A est un réel, la sable exercice, donc a de la condition est satisfaite, donc, et la matrice le représentant, la matrice qui représente, c'est-à-dire de l'opérateur hermétique, présente des éléments symétriques par rapport à la diagonale, qui sont complexes, conjugués les uns des autres. Donc, puisque A est un réel, le conjugué le réel ou un réel, donc B, donc B est égal à A. Donc dans notre cas, A appartient à R et A étoile est égal à B. Ouhna a étoile le, euh, le conjugué de A, a d'un réel c'est un réel, donc est égal à A. Donc finalement, à la matrice dial A, la matrice dial A on 0, a 0A0, 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 0 0 0 0 2A. Dans la base, U1, U2, U3. Et déjà, na, na a A, U3 est égal à 2A selon U3. Donc, on deux 2A. Donc, 2A est une, est une valeur propre associée à φ 3 qui est égale à U3. Donc il ne reste qu'à calculer les, les, les autres valeurs propres. Pour cela, on a déterminant l'opérateur A moins lambda. 3 qui est égal à 0 est égal à un déterminant, c'est-à-dire 0 moins lambda, c'est-à-dire moins lambda. Tout ma a a, on a 0, tout 0 moins lambda, c'est moins lambda. Tout 0, tout 0, 0, et ici si 2a deux, deux moins lambda doit être égal à 0. Maintenant je calcule, je calcule selon la ligne, de la colonne, ni Merci beaucoup. En utilisant aide la ligne, il a fait zéros, Donc c'est 2a deux, deux moins lambda facteur dial est déterminant facteur dial moins lambda a, a moins lambda est égal à 0. Est égal à 2a moins lambda facteur moins lambda fois moins lambda y a lambda carré. Moins A au carré est égal à 0. C'est-à-dire 2a moins lambda. Facteur dia lambda moins a. Facteur dial lambda plus a est égal à 0. Donc on dit 3 valeurs propres simples. Donc j'aurai lambda 1 est égal à. Lambda 2 est égal à moins 1. ou lambda 3. Lambda 3 est égal égale 2A. Head lambda 3, on a déjà vérifié que c'est une valeur propre associée associée à phi 3 ayant les vecteurs propres qui est U3. Donc je fais associer le head lambda 1 phi 1 et je fais associer le head lambda 2 phi 2. Donc Renardot phi 1 au début Renardot phi 1 la base U1, U2 et 3 on a X1 par exemple X2, X3 dans la base U1 U2 U3 j'applique la formule euh, la recherche du vecteur propre donc A l'opérateur fois qui agit sur phi1 est égal lambda1 phi1 c'est-à-dire, l'opérateur est à l l a la A, 0, A, 0, A, 0, 0, 0, 0, 2A. L'opérateur agit à la le vecteur propre fait 1, les x1, x2, x3. Pour donner lambda 1, on a supposé que lambda 1 est égal à A. Donc A, x1, x2, x3. On a un système de trois équations. Donc, on a un système de trois équations. 0 fois x1, c'est 0. A x2 est égal à x1. Tout x1 plus 0 x2 plus 0 x3 est égal à x2. Tout le 0, 0, 2. 2 A x3 est égal à x3. On C x3. À partir de l'équation 1, on peut déduire que x1 est égal à x2. Je peux simplifier par a, Il y en a, a différent de 0. De même pour l'équation 2. Donc x1 est égal à x2. Donc, on peut faire phi 1 à l'échelle de telle 1 est égal sous forme d'une matrice colonne. x1 est égal à x2. Donc on a x 1 x2 est égal à x1. Donc je mets x1, tout x3. Donc, dans la base U1, U2, U3. On peut facilement trouver à X3 en utilisant le résultat suivant. Donc, un résultat qu'on a, qu a déjà tiré le cours. On dit deux vecteurs, deux vecteurs propres euh, d'un opérateur hermétique correspondant à deux vecteurs, à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux, c'est-à-dire on dit déjà phi 3 phi 3 à le quête phi 3 est égal u 3 on a, on le produit scalaire de phi 3 phi 1 est égal à 0, on utilise le résultat, donc phi 3 on peut l'écrire comme matrice colonne, phi 3 est égal 0, 0, 1 selon U3. C'est-à-dire que le bras correspondant, φ3, est égal, c'est une matrice ligne, 0, 0, 1. Donc, à le produit scalaire, donc, φ3, donc, φ1, est égal, à la matrice ligne 0, 0, 1, fois φ1 lié à la matrice colonne. Donc, φ1, il y a x1, x1, x3, x1 x1, x3 le produit scalaire est égal à 0 selon le résultat donc est égal x3, -na, na, 0, x1 c'est 0, 0, x1 c'est 0 donc x3 est égal à 0, donc finalement fait 1 donc fait 1 fait 1 on va te faire x1 x1, 0 Et la base, u1 toujours u2 U3. Maintenant phi 1 doit être orthonormé. Donc on le produit scalaire phi 1. Phi 1 qui doit être égal à 1. Donc On va associer le bras. f1 Il y a une matrice ligne. X1, étoile, le conjugué. X1, étoile et 0. Donc phi 1, donc, phi 1, phi 1. Il y a la matrice ligne, x1 étoile, x1 étoile 0 fois la matrice colonne, il y a x1, 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 0. Il doit être égal à 1. Donc, on ce x1, x1 étoile, plus toujours x1, x1 étoile, est égal à 1. Il y a de 2 x1 x1 étoile est égal à 1. Il y a de la Donc, on a cela x1, x1 étoile, est égal à 1 sur 2. Maintenant, on sait que or z, z bar est égal à le module de z plutôt au carré. Donc, on l'a de la formule, on a cela. Le module de x1 au carré est égal à 1 demi. Donc, on peut écrire, donc, x1 est égal à 1 sur racine de 2 exponentielle dièle i phi. Avec exponentielle de i phi, il y a la face. Et en général, on écrit x1, on prend à la valeur seulement 1 sur racine de 2. Donc, donc, x1 est égal à 1 sur racine de 2. Donc, finalement, donc, phi1 est égal à chaque matrice colonne x1 lié à 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, Thomas, 0. va toujours u1, u2, u3. Passons maintenant au phi2. Pour phi2, pour phi2, on a a le phi2 égal à lambda de 2 phi2. Donc on a de phi2 avec Phi 2, la base, la base U1, U2 et 3, il y a de 9 chez X1, X2, X3. Donc, A, l'opérateur A, il y a 0, A, 0. Donc, A, 0, 0. Donc, 0, 0, 0, 2A qui agit sur phi 2, il y a X1, X2, X3 pour donner lambda 2, il y a moins A x1, x2, x3. Alors, cela a un système d'équations, de trois équations. Donc, ax2 est égal à moins ax1. La deuxième équation, on à ax1, qui est égal à moins ax2. La troisième équation, on à 2 ax3, qui est égal à moins ax3. Donc à la première équation, mais la deuxième équation, le même résultat et bien x2, je peux simplifier par a est égal à moins x1. De même ici, x2 est égal à moins x1. Donc on arc de phi, donc phi2 est égal, est égal, c'est chèque Donc je prends x1, tout x2 qui est égal à moins x1, tout x3. Le même raisonnement, on a de phi3. Produit euh, scalaire dial phi 2, l directement à la directement à là est égal 0 sont orthonormés. Les deux vecteurs orthogonaux. Donc la directement à la x3 qui est égal zero. Donc, à 0. Donc, le résolument elle phi 2 est égal à x1 moins x1 0. Tout le monde le produit scalaire dial phi 3 scalaire phi. 3 est égal, est égal à 1. Il y 3 normé à l'unité. Donc, alpha directement est égal à 2x1, x1 étoile est égale à 1. à la 9g. Donc, finalement, alpha de x1 est égal à 1 sur racine de 2. On prend x1 est égal à 1 sur racine de 2. Donc, il de 9 raisonnement. Donc, φ2 ou la phi 3 la fin, 2 On la Φ2. Φ2 est égal à 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine de 2. Et 0. Donc, finalement, on a trouvé. On a trouvé finalement que phi 1 Φ1 phi est égal un 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. 0. phi 2 est égal 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, moins 0, et phi 3, qui est égal à 0, 0, 1. C'est phi 2, le kit, phi 2, phi 3. Donc on peut vérifier facilement que phi 1, scalaire, phi 2, à tant et non, 0, 1 sur racine de 2, fois 1 sur racine de 2, et 1 sur 2, plus 1 sur racine de 2 fois moins 1 racine de 2 a en 0. Donc, il égal à 0. Tout le bien sûr, fait 1 scalaire fait 3, la en 0. Tout le 2 scalaire phi 3, raté en 0. Et nana, 0 fois 1 sur racine de 2, c'est 0. Moins 1 sur racine de 2 fois 0, c'est 0. 0 fois, fois 1, c'est 0. Thoma, on peut vérifier que fait 1 scalaire fait 1 est égal à fait 2. Scalaire phi 2 est égal à phi 3, scalaire phi 3 qui est égal à 1. C'est simple à calculer, 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré est égal à 1. De même pour phi 2, 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré est égal à 1. Au municipal phi 3, on a déjà non, 1, 1 fois 1 c'est 1. بعد فيريفيكاسيون نختموا هذا الفيديو كان معكم الاستاذ خالد ناجي كنتمنى يكون الشي الشيء واضح وبسيط والى فيديو مقبل ان شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته